Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un moyen simple, facile à utiliser pour apprendre à reconnaître les plantes. Alors, c'est parti. Je vous propose la menthe à feuilles rondes pour vous expliquer le principe. La menthe à feuilles rondes qui sera le sujet de la prochaine vidéo. Ceci dit, si vous avez sous la main une autre plante dont vous connaissez le nom pour faire l'expérience, cela fera l'affaire. Avoir le coup d'œil pour repérer la plante que vous cherchez dans cette nature généreuse, n'est pas tout. Certaines plantes ont une sœur jumelle, d'autres aiment le soleil, mais pas trop. Des demoiselles aiment les sols riches, avec un pH neutre, un pH basique ou un pH acide. Il y en a qui aiment les racines dans l'eau, tandis que certaines aiment peu d'humidité. Oh là là! Bref, il y a de quoi faire renoncer le meilleur concurrent de la connaissance. Et je le comprends fort bien, car la première fois que ma grand-mère m'a demandé d'aller chercher des plantes seule, j'avais environ 10 ans. Oh, je n'emmenais pas large, et pourtant, je connaissais les endroits où poussaient les plantes qu'elle me demandait. Mon fils m'a présenté un logiciel qui permet de reconnaître les champignons et qu'il avait installé sur son téléphone. Bon, il connaît un bon nombre de champignons. Cependant, la connaissance est quelque chose qui demande toujours à être enrichi. C'est là que j'ai eu l'idée de regarder s'il y avait des logiciels pour les plantes sur mon téléphone. Eh bien oui, et il y a le choix. J'en ai testé 3, j'en ai retenu un car il est simple à utiliser et gratuit. Je vous le présente et peux vous dire tout de suite qu'il y a des erreurs. Cependant, l'utilisation, même si elle ne vous permettra pas de consommer les plantes, car il y a des erreurs, et que l'erreur n'est pas admise lorsqu'il s'agit de consommation. Ceci dit, vous pouvez ensuite comparer vos photos avec des photos sur Internet en téléchargeant les photos qui sont sur votre téléphone. Et c'est là que ça devient intéressant. Ceci vous permettra de progresser plus rapidement. Je vous conseille de commencer par des plantes simples à identifier. C'est d'ailleurs ce que je vous propose à chaque fois. Je cherche pour vous des plantes avec un potentiel intéressant pour la santé et qui sont facilement identifiables. Je vous propose de retrouver pour cet essai la menthe odorante. L'application que j'ai retenue s'appelle Plant Net. Je l'ai choisie car elle est simple d'utilisation. Cependant, allez voir d'autres applications qui pourraient peut-être vous convenir davantage. Avant de partir à l'aventure dans les prés, dans les bois, à la recherche de la menthe ou d'une autre plante que vous connaissez, je vous suggère de vous munir d'un carnet et d'un crayon car pour retenir le nom de certaines plantes, c'est parfois compliqué et cette application ne permet pas de noter le nom immédiatement. Vous pouvez noter photo numéro 1, menthe odorante, en fonction de ce que votre téléphone vous aura indiqué. Mais avant d'aller plus loin, dans un premier temps, il faut télécharger l'application sur votre téléphone. Elle s'appelle Plant Net. C'est gratuit. S'il réclame un paiement, ignorez et continuez. Maintenant que l'application est sur votre téléphone, à vous l'aventure. Dans un premier temps, je vous recommande de désélectionner la localisation de votre téléphone, car certaines applications, et même peut-être toutes, utilisent ensuite ces données pour enrichir les géolocalisations des plantes, et de vous par la même occasion. Même si vous êtes une belle plante et que ce n'est peut-être pas utile de vous géolocaliser. Enfin, ceci est mon avis. Après, à vous de faire votre choix. Lorsque vous avez décidé de photographier une plante, vous ouvrez alors l'application sur
votre téléphone et vous sélectionnez caméra et vous faites la photo de la plante. Si celle-ci vous convient, si la photo est nette, vous pouvez alors valider par OK. Sinon, vous pouvez refaire la photo plusieurs fois. Les photos vont ensuite s'enregistrer dans l'espace galerie de votre téléphone. En arrivant chez vous, vous pouvez ensuite enregistrer vos photos sur votre ordinateur. Avec l'aide des notes que vous avez pris soin de noter sur votre carnet, vous pouvez ensuite faire des recherches sur un moteur de recherche, celui que vous avez l'habitude d'utiliser. Et ensuite, vous pouvez comparer vos photos avec celles que l'application de l'ordinateur vous propose. Et cela vous permet de vérifier s'il s'agit bien de la même plante. J'ai visité pas mal de sites qui offrent des informations sur les plantes. Une chose m'interpelle dans les publications. Il n'y a presque pas de résumé sur la composition des plantes, seulement des indications thérapeutiques et usages. Je trouve ceci dommage, car savoir quelles vitamines, quels minéraux composent la plante permet d'avancer dans le savoir. Et non de répéter de manière ignorante, cette plante permet de lutter contre le scorbut par exemple, sans savoir que c'est la présence de la vitamine C qui permet de lutter contre le scorbut. Enfin, ces sites de présentation de plantes, c'est mieux que rien. Après de multiples recherches, j'ai finalement trouvé un site qui propose la composition des plantes. Il s'appelle Home Science, portail science. Vous indiquez le nom de la plante et vous avez vraiment pas mal de choses. Alors, il n'y a pas la composition dans toutes les plantes, mais voilà, c'est le site qui m'a semblé le plus élaboré. Si toutefois vous voulez réellement progresser dans la connaissance des plantes, je vous invite à vous munir de livres en prenant soin de vérifier si vous avez toutes les informations. Car là aussi, il y a souvent le manque des composants de la plante. Voici ce que les ouvrages doivent contenir, enfin à mon sens. Premièrement, connaître la plante avec la description et les éventuelles confusions. Deuxièmement, quand cueillir et les terrains de prédilection de la plante. Troisièmement, les contre-indications. Quatrièmement, la composition de la plante et comment l'utiliser avec des exemples de recettes. Ma grand-mère connaissait l'utilisation des plantes, mais pas leur composition. Cela me semble important et je me suis donc documentée dans ce sens-là. Les ouvrages anciens sont souvent plus complets que ceux actuellement dans le commerce. La plupart des ouvrages que j'ai, je les ai achetés à Emmaüs. Ils sont de bonne qualité, ce sont souvent des ouvrages anciens. Le contenu est vraiment très intéressant. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on peut avoir des ouvrages pas chers et de bonne qualité. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve dans quelques jours pour vous parler de la menthe aux feuilles rondes. La menthe, c'est une menthe sauvage et je vous expliquerai comment en récupérer pour pouvoir en mettre soit dans une jardinière ou dans votre potager si vous avez la chance d'avoir un potager. Alors, à très bientôt mes amis.
Et surtout, prenez bien soin de vous.